La grandeur de Dieu, selon ta grandeur, on en parle aujourd'hui dans 24 OVA, mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de l'émission 24 OVA que nous avons surnommé la République démocratique du Gospel, en hommage bien sûr à notre pays, la RDC. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons recevoir sur ce plateau de 24 OVA une personne qui est connue hein, sur la scène du Gospel, sur la scène des émissions chrétiennes, sur la scène bien sûr de la télé congolaise et aussi à travers le monde parce qu'elle est suivie par tous les internautes qui nous regardent à travers le monde. Vous allez comprendre hein, à travers sa présentation. Elle s'appelle Maman Dorcas Kampinga. C'est elle qui a accepté notre invitation et nous sommes dans la joie bien sûr de la recevoir aujourd'hui. Maman Dorcas, bonjour et bienvenue dans 24 VR. Bonjour frère Bradley et merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur de passer dans ce programme qui est également très suivi, qui est un espace que vous avez créé pour nous, les chrétiens, que nous puissions parler de l'adoration de notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Voilà, on va parler de votre vie professionnelle, on va parler de votre parcours et on va parler également projet d'avenir. Vous êtes à l'aise, j'espère. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, nous allons prendre la première question que nous avons piquée hein, à travers le programme de ta grandeur. Vous avez toujours, à travers cette émission-là, essayé de connaître les débuts de la vie chrétienne de tout un chacun. Voilà pourquoi cette question vous revient aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre conversion. Ma conversion, elle date de longtemps. Mon histoire d'amour, comme lui-même il nous dit dans sa parole, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors j'avais reçu cet appel et j'ai dit oui Seigneur. Mais étant jeune, on était des fois un pied dedans, un pied dehors. À un moment donné, je me suis même laissée emporter par la folie de la jeunesse. On voulait faire comme tout le monde, se comporter comme tout le monde, oubliant qu'on était différent, qu'on n'était pas comme tout le monde. Mais le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, j'ai été un peu têtue. Du genre, voilà, il t'appelle, mais tu te retiens un peu pour dire non, moi j'ai encore envie de faire ceci ou cela. Mais à un moment donné de la vie, j'ai dit, voilà, ça y est, je dois vraiment, alors vraiment donner ma vie à Christ. Ça va faire pratiquement 3 ans. Donc, que j'essaye vraiment de marcher selon ses voies, selon sa parole. Mais ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Christ. Alors, quand j'ai pris cette décision-là, finalement, de m'abandonner totalement à lui, il m'a pas rejeté, il m'a accepté et voilà, depuis, je lui ai donné ma vie, je lui ai dit, voilà, je veux également te servir, je suis servante au sein de mon église, la Rédemption, la Maison des Dieux, l'église qui est dirigée par le pasteur Astrid, qui est également l'épouse de tonton Jaco, donc je suis diaconesse, chargée de la communication. Voilà, chargée de la communication. Je suis dans la commission des mamans. Je les sers et je les sers également via le média, la télévision et la radio. Voilà, nous avons compris, hein, 3 ans déjà en conformité, et on pourrait dire égal avec l'Éternel Dieu des armées. Ça, c'est une très bonne chose. Nous vous félicitons pour ce choix-là. Merci. Parce que nous également, nous avons fait ce choix-là. Nous ne regrettons rien depuis ce jour-là. Voilà pourquoi nous avons même dit, on doit recevoir Maman Dorcas à travers ces programmes 24 VA. Alors, la question qui s'ensuit, c'est celle de savoir votre parcours. Hein. Vous avez sûrement eu un parcours, parce qu'aujourd'hui, on vous connaît dans B1, à travers ce programme que nous aimons tous. Hein. Mais avant ça, qui était Maman Dorcas? Qui était Maman Dorcas? Sur le plan professionnel, bien sûr. Sur le plan professionnel, j'ai fait d'abord mes études secondaires à Bobo-Dioulasso. Et puis, je suis allée à Kisantu, de 3e en 6e, j'ai fait la maths physique. Alors, je me disais que je serais avocat. Je dois faire le droit, je dois défendre les gens, surtout ceux-là qui sont rejetés, les moins nantis, les abandonnés. Je dois défendre leur cause. Mais faute de moyens, or, c'était dans le plan de Dieu, au fait.
Je me suis retrouvée à l'INA. Je me suis retrouvée à l'INA. Et là, j'ai fait l'animation culturelle. Okay. Et au niveau du deuxième cycle, j'ai fait l'animation culturelle et le développement. Mmh. Alors, le média, on nous a toujours appris que c'était un support. Yes. C'était un canal pour véhiculer le message. Yes. Donc, dans ma tête, je ne voulais pas passer à la télé. Ah. Non, non. Quand j'ai fini, j'ai dit, bon, je vais créer une petite structure des animateurs culturels où on va commencer à organiser des activités à caractère culturel et tout. Alors, on avait créé avec certains amis une association dénommée ASAC, Association des animateurs culturels au Congo. OK. Et on a fonctionné, on a eu à organiser des activités, des visites guidées par-ci, par-là. Mm-hmm. Et à un moment donné, certains amis ont voyagé, ils sont partis. Mm-hmm. Alors, j'ai commencé à faire des affaires. Je me suis lancé dans les business où je faisais Dubaï-Kinshasa. Mm-hmm. Tu achètes les histoires, tu viens vendre. Mais ma mère me disait toujours, non, faire les voyages, c'est bien, mais ce n'est pas rassurant. Il faut travailler dans une entreprise, tu seras beaucoup plus sécurisé. Ok. Et j'ai appris qu'il y avait une nouvelle chaîne qui venait d'être lancée comme ça. J'ai dit, bon, pourquoi pas aller tenter. Tenter votre chance. Tenter ma chance, mais pour la radio. Uh-huh. Pas pour la télé, parce que passer à la télé, pour moi, on avait une certaine connotation de filles qui passaient à la télé. Elles avaient une mauvaise image, entre guillemets. Mm-hmm. Alors, je me suis dit, non, je préfère rester à la radio. Comme ça, tu vas passer inaperçu. Et les gens ne feront pas attention à toi et tout. Alors, je suis venue avec un projet de 5 émissions. Là-dedans, il y avait vraiment des émissions à caractère culturel, genre découverte, où tu reçois des musiciens, dites profanes et tout. Mais un jour, on m'a appelé, j'ai déposé les dossiers et puis on m'a appelé quelques jours après pour me dire, venez défendre votre projet. Ok. Un projet contenant 5 émissions. Alors j'arrive, on commence à me poser des questions par rapport aux émissions que j'avais proposées. Et puis on me dit, ok, madame, vous avez parlé, rentrez chez vous. En cas de besoin, on vous appellera. Yes. Je suis rentrée. Comme d'habitude. Alors je suis rentrée et le soir même, je reçois un coup de fil de Biwan me disant, venez, vous commencez votre travail demain à la radio, mais avec l'émission chrétienne nommée Shiloh. Ok. J'ai dit, waouh. Or, dans mon cahier des charges, c'était une émission où je devais recevoir les hommes des dieux, des serviteurs de Dieu. Je me dis, déjà, il est 20h, j'aurai un invité ou comment faire? Bon, je vais quand même y aller. Je suis venu, j'étais face à l'opérateur de son qui était devant moi et j'ai fait de l'animation où j'ai parlé de Shiloh, j'ai expliqué les concepts Shiloh, et voilà, tout est parti de là. Voilà, tout est parti de là, à la radio, mais aujourd'hui, elle est à la télévision, on va essayer de savoir comment est-ce que ça s'est passé. Alors, c'est une question que les téléspectateurs attendent déjà. Waouh. Ce transfert-là, de la radio à la télévision. De la radio à la télé, mais j'aime beaucoup la radio, hein. Jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à prester à la radio, parce que je me dis, c'est une bonne école, où on vous apprend comment vous exprimer, vous ne voyez pas les gens. C'est aussi stressant, mais on est quand même à l'aise. Vous aimez la radio, mais bien que la télé vous réussit aujourd'hui. Alors, de la radio à la télé, on devait concevoir, je salue d'ailleurs le frère Dak Herman Konzo, qui est à Goma. C'est lui, au fait, qui a conçu quelque chose. Il a dit, bon, on va concevoir une tranche d'animation matinale. Une tranche matinale, il faut quand même qu'il y ait des rubriques. Yes. Et moi, on m'avait donné la rubrique santé. J'ai dit, waouh, passer à la télé. Maths physique, animation culturelle, rubrique santé. Rubrique santé. Wow. Je ne suis pas infirmière, encore moins médecin. Alors, j'ai dû accepter. Alors, on a commencé à faire des répétitions. Des répétitions parce que passer à la télé, les patrons nous disaient toujours, tu vas passer à la télé, mais il ne faut pas que les gens voient que tu es en train de lire. Non, tu dois rendre, tu dois faire comme si tu étais spécialiste, tu dois expliquer les maladies, donner des mesures préventives, prodiguer des conseils et tout. Ok, j'ai commencé à faire un peu des perroquets, hein, donc il fallait mémoriser. Tu fais des recherches sur Internet, tu mémorises une grande partie et puis tu viens le rendre. J'ai commencé à passer dans cette rubrique conseil santé et je le faisais bien.
Parce que, comme moi je le sais, les gens me félicitaient toujours après pour dire « Ah, c'était bien, mais là, il faut corriger, là, il faut enlever, là, il faut faire comme ça. » Et puis après, un jour, il n'y avait pas de présentateur. On me dit « Prenez Dorcas. » Là, c'est le patron qui propose. « Prenez Dorcas. » Elle a fait Lina. Là, vous parlez de l'ambassadeur. De l'ambassadeur, que je salue. Nous, on l'appelle le number one, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Alors, il dit à notre directeur de production et à son assistant « Prenez Dorcas. » Alors, il est venu me voir, j'ai dit non. Passer seul, animé, poser des questions, non, ça, c'est pas moi. Alors, finalement, il a imposé, il a dit « Tu le fais. » Je suis montée malgré moi, j'ai trembloté, j'ai dit « Bon, je le fais. » Alors, j'ai fait, j'ai reçu des gens, j'ai leur posé des questions, 2 heures, et c'était bien. Voilà. Alors, en descendant, c'est tout le monde qui applaudissait. « Waouh, tu vois, tu es une comédienne, tu nous as fait croire que tu ne pouvais pas y arriver, mais voilà, tu l'as bien fait. » Et c'est parti comme ça, on m'a retenu finalement parmi les présentateurs de cette tranche d'animation qu'on appelle « On est ensemble », qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué toujours à animer cette tranche d'animation. On va quand même vous aider à retrouver votre sourire. Il y a un doux soleil à l'extérieur, gare aux paresseux. Moi, j'étire toujours les oreilles des paresseux pour vous dire que réveillez-vous, levez-vous. Il est déjà 10 heures passées de beaucoup, beaucoup de minutes. Après, on est ensemble. Eh bien, il faut sortir pour chercher quelque chose à faire. Il faut aller là où vous aviez déposé votre dossier. C'est peut-être, vous vous attendez qu'on vous appelle. Or, eux, ils attendent que vous puissiez passer par là et poser la question finalement pour avoir votre réponse. Toseka vraiment est solo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous célébrons l'indépendance de notre pays. Je ne pourrais faire ces spectacles, je vais essayer de vous expliquer cette histoire parce que hier nous étions devant le chef de l'État. Les artistes, on nous a invités, beaucoup d'artistes, on était là devant le chef de l'État, c'est vrai. Joseph, il vient, il dit son discours. Écoutez. Watoto wa mama jambo. Je suis tout à fait très content de me retrouver parmi vous ce soir. Vous fêtez l'indépendance de notre pays. Si vous ne croyez pas à mes œuvres ou à mes paroles, croyez à toutes mes actions que j'ai faites pour notre pays. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'est le président. Il parle. Et on invite maintenant les artistes et musiciens. Non, après le président, c'était le gouverneur Kimbuta. Là, c'est Paulin qui prend le micro. Alors, André Kimbuta, vous avez un message à dire à la population. Kimbuta qui vient. Écoutez. Non, le baba n'a pas encore. Message au thé pas président de la République. L'homme, il est 30 jours, il y a des mounos qui n'ont pas été là. Papa, Esther qui n'ont pas été là. Mama ke wenze baba ke musala o sa mbunga la kanga e na biwa bu. Voilà, cette fille-là qui a fait maths physique, également elle est passée par l'animation culturelle et aujourd'hui elle est présentatrice des télévisions. Elle doit sûrement avoir des modèles parce que comment est-ce que vous allez faire avec perfection, je dirais même, ce service-là qu'on vous demande de rendre. Mes modèles à la télé, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Du côté chrétien, je dirais d'abord Massi Domingo. Ouais. Voilà, Massi Domingo, c'est vraiment une vraie modèle pour moi. Et il y a également le frère Emery. Aujourd'hui, il est pasteur. Il est à Brazzaville, le frère Emery qui travaille à la RTP, Radio-Télé-Puissance. Et il y en a plein. J'aime également ce que fait Iguet Niembo. Ah. Le tambourin. J'aime également Adonai sur Congo Web. Yes. Donc, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà, c'est difficile aujourd'hui de voir une présentatrice d'émission. Waouh. Voilà, c'est vraiment différent. J'étais en train de dire qu'une
présentatrice de l'émission, vous êtes des soeurs comme ça. Ça, c'est une présentation. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, là, on va parler de ce concept-là qui accroche, ce concept-là qui fait votre cachet aujourd'hui. C'est mm-hmm. l'émission Ta Grandeur. Comment est-ce qu'elle a débuté cette émission? Et parle-nous un peu des difficultés et comment vous en sommes ici, maintenant, là. Alors, Ta Grandeur a vu le jour, c'était le 2 août. Ça va faire 3 ans, donc 2 août 2013. Yes. Alors, tout est parti de la mort de Papa Alain Moloto. Mm-hmm. Papa Alain nous a quittés. Je tiens à rappeler ici qu'il était également l'un de nos directeurs quand yes. B1 a commencé. Mm. Alors, quand il nous a quittés, nous nous sommes dit pourquoi pas lui rendre un hommage digne de lui. Alors, il fallait faire quelque chose. Monsieur John Bouy, qui est mon réalisateur jusqu'à aujourd'hui, a dit, bon, on va faire des plateaux spéciaux. On ne va parler que du groupe Gaël. On ne parlera que de Papa Alain Moloto. On va également permettre aux téléspectateurs de vivre finalement les obsèques de Papa Alain. Alors, on a commencé à faire des plateaux spéciaux, j'ai reçu le groupe Gaël, j'ai reçu ceux-là qui ont eu à côtoyer Papa Alain, les amis, les membres de sa famille, les artistes, musiciens, chacun passé pour donner son témoignage, partager un peu avec les téléspectateurs son vécu avec Papa Alain, et c'était bien. Alors, après l'enterrement, parce que nous sommes allés jusqu'au cimetière, on a vraiment fait, c'était toute une émission, tout un programme. Après l'enterrement, le patron a vu que les gens ont aimé ce qu'on avait fait, parce qu'il y avait des félicitations, des bravos qui tombaient de partout. Il a dit, waouh, il y a quelque chose que les chrétiens manquent. Il y a quelque chose qui manque pour les chrétiens, à part les cultes de la borne qui sont diffusés ici chez nous. Mais les chrétiens manquent quelque chose. Il faut leur trouver un espace. On a dit, voilà, c'est une bonne idée. On va concevoir quelque chose. Alors, il nous a donné des conseils. Au début, c'était Dorcas qui devait présenter. Alors, je me rappelle, les tout premiers numéros, je devais recevoir le groupe Écho d'Adoration avec Papa Franck Moulaja. Yes. Et je venais de perdre également une amie à moi, très proche. Alors, le premier samedi où je devais présenter l'émission, c'est le samedi où on devait enterrer mon amie. J'ai dit, waouh, comment je vais faire? Drôle de coïncidence. Hein. Voilà. Vraiment, je ne serai pas dans mon assiette. Ouais. Comment faire? Papa Franck sait déjà qu'il doit passer. Le programme est vraiment calé. Mm-hmm. J'ai demandé à tonton. Tonton Jaco, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Okay. Voilà, tonton Jaco. Tonton là, ça nous embrouille un peu. Voilà. Tonton Jaco, il est mon tonton, il est mon yaya, il est mon directeur, il est mon daddy. Donc, voilà. Alors, je lui ai demandé, tonton, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'aider? Parce que on a déjà fixé rendez-vous, ça ne sera pas intéressant. Il a accepté, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Je dois présenter l'émission. À l'époque, on avait donné comme titre, c'était Dans ta présence. Dans ta présence. Dans ta présence. Mmh. Alors, il a accepté, Papa Franck est venu, ils ont fait les tout premiers numéros avec le groupe Écho d'Adoration. Et après, les gens ont aimé. Alors, quand je suis rentrée au travail, je devais continuer le programme. J'ai dit, mais tonton, pourquoi pas le faire à deux? Yes. Pourquoi pas le faire à Parce deux? Parce que vous et aimez là, déjà sa manière de faire. Voilà. Uh-huh. Vraiment, c'est vraiment un vrai modèle. Yes. Alors, on nous fera savoir qu'il y a déjà un programme qui existe, qui porte le nom de Ta Présence. Donc, il fallait changer de titre. Ok. On a dit, waouh. On a commencé à réfléchir. On a réfléchi, on a dit, bon, Ta Grandeur. Thank you.
digne d'être célébré, il est digne, notre roi, notre Seigneur Jésus-Christ, est digne d'être acclamé. Voilà pourquoi on va encore acclamer très, 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 très fort. Gloire à Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue encore une fois de plus dans ce programme Ta Grandeur que vous propose bien sûr votre chaîne préférée qui est donc B1 Télévision. Vous avez également les salutations de celui qu'on appelle Tonton Jaco. Il est là en esprit avec nous et il vous salue, il vous dit qu'il vous aime énormément, il vous aime beaucoup. Nouveau numéro, nouveau invité, nouveau message encore. Alors je vous demande bien sûr de vous installer confortablement parce que hier c'est pas aujourd'hui et aujourd'hui ça ne sera pas demain, donc à chaque jour suffit sa peine. Un nouveau jour, un nouveau message, comme je l'ai dit, un nouveau invité, une nouvelle chorale. Ils ont bien chanté, on peut acclamer pour la chorale. Pourquoi ta grandeur? Pour parler de la grandeur de Dieu. Parce que c'est Dieu, il est grand. Mm-hmm. Il nous a ramassés de là où on était, de la mort, il nous a ramenés à la vie. Mm-hmm. Non, non, non. C'est mieux de nommer finalement ce programme ta grandeur. Et voilà, c'est parti de là, ta grandeur. Mm-hmm. Il a accepté et on a commencé à co-présenter ensemble et ça marche très bien. Alors cette émission s'appelle Ta Grandeur, vous recevez différentes personnalités pour parler d'un sujet et comment ça se passe déjà, le choix du sujet, comment vous le faites et à part ça, les intervenants qui défendent la grandeur de Dieu à travers vos émissions, est-ce qu'ils les défendent à la hauteur de cette grandeur que vous définissez dans vos têtes? Jusque-là, je dirais oui. Alors, le choix. Le choix, d'abord, de nos invités, parmi les critères, la première des conditions, il faut être chrétien. Okay. Donc, il faut être chrétien, il faut être enfant de Dieu, parce que tout le monde peut se dire, je suis enfant de Dieu, mais il y en a qui ne sont pas chrétiens. Alors, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et on va entrer en contact avec vous. Nous allons parler. Et par rapport au choix du thème, du sujet, c'est l'invité. Pourquoi on veut bien qu'il soit à l'aise? On s'est dit, si nous, on arrive à choisir, à trouver des thèmes, peut-être que l'invité ne sera pas à l'aise. Alors, ils sont chantres, ils sont évangélistes, prophètes, pasteurs, apôtres. Ce qui veut dire ils ont déjà l'art de prêcher, d'exhorter, de parler de Jésus-Christ. Alors c'est mieux que eux nous donnent le thème à traiter et nous, à notre tour, on va se préparer par rapport à ça. Et ils aiment, ils aiment quand on dit, mais on va parler de quoi? Non, 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 pasteur, c'est à vous de nous trouver le thème. Ah, yes. Ok, ça m'arrange. Ils trouvent. Alors, les difficultés, ça nous arrive aussi. Okay. On a eu à recevoir certains invités, du genre, vous lui posez la question, pasteur, bienvenue, parlez-nous de ça. Il te répond, genre, question vraiment fermée. Donc, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Alors là, il faut encore retravailler. Trouver encore des questions, trouver encore des questions pour le pousser finalement à parler. Essayer de faire de l'improvisation. Voilà. C'est parmi les difficultés que nous rencontrons. Mais la plupart de nos invités nous mettent à l'aise et on les met également à l'aise. Oui. Voilà, vous avez compris, cette émission 24 OVR, nous recevons aujourd'hui Mama Dorcas, Dorcas Kapinga, qui est notre invitée à travers cette émission. Avec lui, nous essayons de parler de sa vie professionnelle, nous essayons de parler également de ce concept-là, ta grandeur. Vous avez déjà compris comment est-ce qu'elle est en train de répondre à nos questions. C'est pas facile, mais ça n'a pas posé ma question. Lélo va poser ma question. Vraiment. Voilà, donc on est bilingue, c'était une manière d'introduire cela. Alors, il n'y a pas de problème. Pour tout Mama Dorcas, Gaba français, na Chilo français, na ta grandeur et tout, na on est ensemble. Na loba appel lingala. Ah, loba. Na loba appel lingala. Donc, trop sur l'appel lingala, ça ne va pas déranger. Na loba appel lingala, bien. Ok, allez, tout est sur ta grandeur, objectif. Alors, au sein des missions, na kombo à ta grandeur, bozo visé nini penza. Parce que, moutoum soa, ko loba journaliste, loko Mama Dorcas, ko sa nepe be mission, bo zin bon webele. Mais pour anina vandika ka ne mission, loko la ta grandeur, yambaka, ba pasteur, ba frère, et puis batumi, ba loba, ke ba foutara biente. Entre guillemets.
Voilà. Objectif Ali Bosso, c'est à gagner les âmes. Ok. Gagner les âmes, pourquoi? Parce que l'ordre que Jésus-Christ avait donné, c'est dans Matthieu, quand il a dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples », c'était un ordre qu'il nous a donné, à nous tous. On dirait le bagou, le belgal, on dirait. Mitindo. Yes. Ce qui mitindo, on va appeler ça qui bisonnons. On nous savait pas ça moi en Zambie. Ok. On a ça cohérité à Christ et c'est là ça là, musala wana. C'est là tout ça. Na mitindo wana. Ok. Na mibeko wana ou épée ça ma qui a allé et fait de toutes les nations ses disciples à lui. Ta grandeur, objectif à l'ibosso, but à l'ibosso, vraiment ils allaient gagner ma âme. Ok. De l'autre côté, ils n'ont pas honte hein, de le faire. Tout le monde a des banderoles et mati, bataba secte, baie baolo le bilama kam na bango, bazo qui était na wente, bazo qui na ba université, na ba milieu étudiantin, qu'on proposait ba tout, ba oya bango, pour la nini biso pété ba chrétien. Yes. Parler de Jésus, évangéliser à travers le média, parce que instrument onza ma pesi biso, yango wana. Voilà. Ezo landa ma pezo yo kana mokili mobimba. Au lieu am kaka ya Congo et bika. Ah, moi, je suis au Cameroun, et je suis au Bika, dans le programme Wana. Tout ça va témoigner, j'ai hein. Et pendant que M. Zoleka a commis le bino, puisqu'on donne toujours un numéro, il y a un problème. Et l'équipe Mikolo, en tout cas, la moussala, bah, problème, mais Zaki est belé, mais Mikolo, ça va, climé, zongi bien. Donc, bah, témoignage, Zali, on s'est dit, donc, malembe, tozo, qui est vraiment, objectif, automi, pesaki. Yali, bosso, pende, Zali, ko panza, sango malam, ko gagne, bah, âme. Ok. Et après, na proverbe, moi, le baral, l'ouvrier mérite ton salaire, la sueur de ton front que tu mangeras. La Alors, Bible le dit d'ailleurs, hein, okay. Que celui qui ne travaille pas ne mange point non plus. Merci pour ce complément. Alors, qu'est-ce que vous gagnez, Maman Dorcas? Oui, les âmes, bien sûr, mais en termes de physique comme ça, parce que nous savons que en termes matériel. Matériel, voilà, merci. Qu'est-ce que vous gagnez, par exemple? Ah, tu gagnes Bélé. Plutôt, continuer à gagner Bélé. Ok. Moi, j'ai énuméré, au moment où tu gagnes, et ça, sur le plan spirituel, tu as sur Bélé, ma casse. Ok. Parce que nous avons à l'Okoti Bissot vraiment. À l'Okoti Bissot. Moi qui vous parle, j'étais une deuxième femme. Okay. Mais, Nanzela Nzambe, Nanzela Losambo, Mouta Lobi n'était que Bima. Mais, Yomoko Nzamba Lobi n'a pas convaincu que Bima Tika Viwa n'est pas malam. Ok. Obimipe. Mais avant Bimobi, tout n'est pas question de Bélo Lobi Seigneur. Est-ce que. Comment je vais m'en sortir? Yes. Mutuana azo salanga boy, azo somelangai, azo futanda ko, azo somelangai lamba kolata. Moi bijou, moi crédit na téléphone ezo zangate. Moi motukeye tiko na musala ezio na musala. Si ko na tika na ko vivre ndenge nini. Pe boye bina media, il faut osa toujours bien. OK. Parce que bato ba otala yo, ezala muto azo landa yo. Azo akut makambo lo bate. Azo tala ka kwa yo. Yo. Ndenge olati. Pele bazala mo ba compétition mon amilio ya biso wana ezalaka, menza ba convaincre wa bibima. Pe bando bimi ozo tambola na sembo, oyibite okosite ozi mo bala batute, mais yemo ka zoza soin na yo. Yes. Donc oh ça il biso ezala vraiment ebelé pe tozo continuer ko vivre, que ça soit sur le plan matériel, que ça soit sur le plan spirituel, que ça soit sur le plan social. On peut comprendre déjà que si on a un Yesu, impossible les athées. Voilà. Oh, yozo mona, ozo qui témoignage à Maman Dorcas, hein, à l'obi que, oh, yazalaki, mais l'élo, tala que c'est une autre personne, mais tant sous, soit, regretté que ancienne vie ou en athée. Donc, quand vous êtes à Jésus, vous êtes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et ne déçoit pas, le bien avec lui ne déçoit pas. Voilà. Parce que, dans le cas où tu as pas frère Bradley, à la Kinga, Maman Dorcas, au moins, dans deux jours, les cas, on a un peu son. Yes. Pourquoi on a dans deux jours, on a un téléphone éteint. Kangami, ouais. Tu peux aller en bien, non, non, rappelle-moi, je suis très, très, très occupé. Mais avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu lui parles, il te répond. Tu lui demandes, il te donne.
Voilà, les témoignages à bah, téléspectateurs, Maman Dorcas, Yoki Olobi, mais bah, témoignages à bah, invités, après l'émission, qu'est-ce qu'ils disent de vous, ce couple-là, médiatique de ta grandeur, vous comprenez, hein? Et ça, un couple, il y a ta grandeur, Kaka, c'est vraiment un faux couple, parce qu'on a eu aussi des problèmes avec ça. Hein? La question qui allait suivre était dans ce sens-là, heureusement que vous avez compris. Je tiens d'abord à éclaircir l'opinion. Yes. En fait, tonton Jaco n'est pas mon mari. Non. Dans le milieu, il y a Moussala. Aza directeur nanga parce qu'aza directeur y a marketing na commercial nanga aza assistante nae yes na milieu ya musala aza directeur nanga aza donc chef nanga vraiment et na milieu ya église c'est mon daddy c'est l'époux de mon pasteur et lui-même a été consacré pasteur et aza ordonné pasteur te maza consacré pasteur na niveau ya église et en dehors de ça c'est un grand frère et c'est Yalingaba Bengé tonton. Donc c'est le tonton de tout le monde. Depuis toujours, hein. Depuis toujours, c'est le tonton de tout le monde. Par rapport à ma témoignage, j'avais invité na biso toujours à ma témoignage. Yes. Yali boso ezali na ko benga onka na terme ya biso de quoi média moi Audimat. Po ezalaka akopé sa numéro ni ya contact na suka. Tellement bato bazo benga pour na prière. Tellement bato bazo benga pour bazo rendez-vous, baya ko exposer ba problème na bango, baya ko partager. Ouakara, eh non, l'émission est suivie, hein. J'ai reçu autant d'appels, j'ai reçu autant de personnes et tininga li susu na kota na muzindo ya musa ona sala parce que la plupart de nos invités à la fin de l'émission batchaka. Ouf. Enfin, c'est fini. Non, vous avec vos questions là. Au rappel, mon tamina qui paye ma, qui paye que, non. Eh, tu dis qu'à soufouna kotel, soufouna bozindo, paye ma bonne li, na sala sou ba recherche pour que prochainement, tant nous zonga, na me mali soussou, il loko ya si. Et j'ai entendu même dire qu'il y en a invité m souba kimaka, souba j'invitation. Ah, au rabite, non, na comme na niveau ta grandeur. Oh! Eh, non, ya, après, na se préparé na nous, na niveau, na te po, bino na ba question na bino, mais nous, on sait que toi, ba nanzambe, nous formons tous les corps du Christ, donc, tout ça, là, vraiment effort, invité Azala à l'aise. Voilà, on évolue déjà petit à petit hein, pour mettre fin à cette émission. Il nous reste quelques minutes avec quelques questions avec Maman Dorcas qui est toujours avec nous sur ce plateau de votre émission 24 VR. Alors, Maman Dorcas, nous parlons de ta grandeur et on aimerait bien également connaître les conditions. Ndengenini, Moutoumoro Boya, Lingara ta grandeur, Nali Bandamboka, Tukompe Awa, Alinga participer. Les critères, Isara Penzanini. Parmi les critères, déjà au début, j'avais quand même flashé un peu. La première des conditions, faut être chrétien. Quand vous dites chrétien, je vais poser une question. Thermomètre, Bozaranango. Toi, un thermomètre, Nango, mais heureusement, la Bible, elle est complète. Hein. Réponse déjà dans la Kati. Yes. La Bible nous dit, Tokoye ba bango na ba fruit na bango. Parce que moi, je peux seulement me dire chrétien, mais comportement, Nango, c'est chrétien, t'es. Makamde na vivaka. Rien à voir avec Christ, parce que qui dit chrétien, c'est comme Christ. Yes. Voilà. Alors, Moutoukara Raye, neti beau frère Bradley d'ailleurs, le bien, analina les canaux à ta grandeur. Vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Thème. À partir déjà de TMP. Toyeba peut qu'on sonde Moutou. Et après si ce thème, ça s'arrête pas là. Yes. On va déjà faire un briefing avec lui. Toyeba expression naïe, façon naïe à Koloba. Est-ce qu'on l'a dit ça va être un plateau? Est-ce que Azoloba vraiment avec un engouement il sala que et attirer attention à Batouba yo Kaloba aux autres makati naïe. Sauf tout moni que répondre na Babilo Kwana. On se fixe au rendez-vous. Il y en a qui il y a des numéros où on fait le direct. Il y a certains numéros où on enregistre, on fait en différé, donc on enregistre après, il y a les Kanango. Après, selon disponibilité, il y a invité, na, il y a Bisopé, ma présentateur, Bisopé, ça a coaché, et pas un monsieur John Bouy. Yes. Voilà. Donc, lui, il arrange des choses, et puis, jusqu'à tonton la maman d'Orcas, demain ou la semaine prochaine, mercredi, minimi, tu enregistres mercredi, à telle heure, on va enregistrer avec le frère Bradley, Tem Yangoyo. Et puis, si Bisopé, tant,
tika temo na maboko nzambe que le Saint Esprit inspiré biso pe ba question parce qu'on évite vraiment des questions du genre polémique hein. Okay. Frère Bradley toyoka ki pourquoi ça n'édifie pas yango na ta grandeur to ki marango penza. OK, alors na ta grandeur ba ki makango penza, voilà pourquoi émission ngaiza la ndenge o tolinga ko mingi. Mais avant dernière question, on a entendu dire sur ce plateau que maman Dorcas o segini. Non, allez-y. Non, soyez à l'aise. On a entendu dire qu'à ça, la maths physique, alors on va faire un petit calcul, de rien du tout. Numéro 1 de l'émission Ta Grandeur, vous avez un quantième numéro, Lélo? Ah, je ne sais pas. Voilà. Je sais seulement que ça fait 3 ans que l'émission existe. Ça fait 3 ans. Alors, on a goûté, oh, écoutez, là, on a goûté ça, calcul à ma casque. Voilà, en termes d'invités, ce topito estimé, le nombre aujourd'hui. En tout cas, plus de 200. En tout cas, plus de 100. Wow. Félicitations. Madame. Plus de 100. Félicitations à toi. Félicitations au concepteur ainsi qu'au couple, bien sûr. Merci voilà, beaucoup. La dernière question qui est très facile, c'est nous voulons connaître vos ambitions, vos projets d'avenir. Mmh. Vous êtes sûrement une présentatrice outillée. Quelles sont vos ambitions? On en parle également et on pense à l'après ta grandeur. Voilà, je commence par la toute dernière chose que vous venez de dire. Après ta grandeur, c'est le ciel. Hein? Wow. Nous voulons aller au ciel. Nous voulons aller au ciel. Et les ambitions, les projets, ça ne manque pas. Mm-hmm. Déjà, à la fin de l'année passée, tu vandaki, tu s'est concerté, tu solo du genre faire un petit bilan. Mm-hmm. Et aussi proclamer des choses, dire des choses par rapport à l'année qui devrait commencer. Tomi Lobela qui te lobby, année prochaine, il faut tout ça là-bas numéro Yassika. Naba invité Yassika. Yes. Il faut vraiment, Seigneur, si tu es avec nous, que ta grandeur ne reste pas seulement dans les studios de B1, mais tout Bima Pelibanda. Et Dieu nous a confirmé vraiment qu'il était avec nous. Tosali et Monsieur Liboson Alibanda, c'était toqué l'église La Borne. Tobimi, Pasteur Andimi, Pasteur Bondo Andimi, toqué Tosali et Monsieur Libanda. Après Wana, invitation y est, il y a Brazzaville, Pasteur Ambenze, Armée de l'Éternel, il y a Braza, Armée de Victoire, il y a Braza, toqué et Monsieur Lekiki Toko. Après Wana, Pasteur Marcelo Tunasi, avec l'église La Compassion, et y est. Donc, ah non, le Seigneur, non seulement il nous écoute quand on lui parle, mais on ne monologue pas. Il nous répond aussi. Bolobaki, Bosengi, na Pesibino. Et ce qui wanate, tonton Jaco, normalement l'équipe devait partir, mais on a connu quelques difficultés. Tonton Jaco est parti. À Saliba Nimora, ta grandeur, na Paris. Okay. Alors on s'est dit, waouh, mais s'il était. Donc nous voulons vraiment continuer na Katia Ligné Wana. On doit évangéliser, photo qui est vraiment des nations en nations, photo Bima. Il faut tout bima. Même si vous êtes à l'équateur, à l'objet, vous êtes à l'équateur, comme ça, à ta grandeur, tout ce qu'il souci, n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans le studio. Bah, ah, ma sauvé, ils ont été Moussala, ils ont été makasi. Voilà. Moussala Ezanon Makassi, on aimerait bien continuer à rester là sur le plateau avec Maman Dorcas, mais la télévision c'est le temps également. Voilà. Alors on vous dit merci hein, pour cette disponibilité. Waouh. Voilà, c'est pas encore fini, ne vous en faites pas. C'est pas encore fini parce que vous avez désannoncé cette émission comme on dit. Wow. Voilà, je suis arrivé à la fin. C'était Maman Dorcas que nous avons reçue sur ce plateau de 24 VR. Hein, merci en tout cas. Vous voulez également occuper cette chaise là? Contactez-nous à travers ce numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Un petit mot, Maman Dorcas, par rapport à l'émission 24 VR et vous faites la désannonce. Voilà, là il est fait vraiment exprès hein, pour dire que je reçus sur ce plateau une concert, donc à Tikelinga, à Lancelinga Bal. Alors, par rapport à l'émission 24 Vieillards, je salue vraiment ce concept. C'est bien. Nous les chrétiens, on n'a pas vraiment beaucoup d'espace hein, pour venir parler de Jésus, témoigner sa grandeur, parler de ses bienfaits. Alors, quand on a des programmes comme ça, on dit merci.
à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Au propriétaire de cette chaîne, RTVH. Ouais, pasteur François voilà. Mutombo, voici voilà. L'homme. Le pasteur François Mutombo, voici l'homme, parce que c'est un vrai homme, parce qu'il est serviteur de Dieu, parce que être homme là, ce n'est pas seulement porter de pantalon, hein, non. Un vrai, c'est celui-là qui reconnaît son créateur, qui reconnaît qu'il est une créature de Dieu et qui passe son temps à évangéliser, à adorer ces dieux-là. Donc, merci également par rapport toujours à l'émission 24 vieillards, c'est une équipe costaud. Yes. Hein, je vois les caméras de partout. Des fois, j'ai eu du mal. J'ai dit, bon, je vais regarder seulement les frères Bradley. Sinon, j'aurais du mal. Finalement, je vais me poser la question. Non, t'as la caméra, ouais. Puis, oh, Zali Bosso, on a gauche, on a droite. C'est une équipe costaud. Merci. Continuez merci. Comme ça. Que le Saint-Esprit vous guide, vous oriente dans ce que vous faites et que le Seigneur lui-même vous envoie ses invités qui vont parler de lui, non pas pour baisser ce programme, non pas pour déshonorer ce programme, mais pour honorer encore une fois le nom de Dieu. Et pour désannoncer, moi j'ai dit merci à merci. Bradley. Merci madame. Merci à l'équipe 24 vieillards. Merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce programme 24 vieillards. C'était un réel plaisir d'être chez vous à la maison. Portez-vous bien et que notre Dieu vous bénisse. Bye bye.